je peux dire que pour chaque œuvre, il y a à la fois une histoire personnelle et une histoire qui est un peu commune, comme celle qu'on vit chaque jour partout, vu les informations qu'on reçoit, cet état de chaos un peu dans lequel on vit, je parle du monde entier, hein, de ce qui se passe dans le monde, ce qu'on reçoit comme information, comme image aussi, hein, complètement bouleversante, choquante plusieurs fois. Et chez moi, il y a cette envie d'effacement en fait, d'où la non-couleur, d'où la transparence, tout en gardant juste un peu, mais vraiment l'essentiel de ce bouleversement que moi je ressens comme être humain, comme artiste. Le blanc, on le sait, même dans la culture marocaine, c'est la chose, c'est repeindre les choses en blanc, c'est l'effacement, c'est remettre tout à zéro en fait. C'est une page vierge, c'est toujours une surface blanche. Et quand je travaille, je veux vraiment garder cette blancheur de la surface sur laquelle je travaille. J'essaie aussi de communiquer une réalité émotionnelle à travers les œuvres, et c'est ça ce que j'essaie de traduire. C'est à cette idée-là que j'essaie de donner une forme.